Donc, avec la flèche blanche plus, je sélectionne ces deux formes-là. Ok, celle-là et celle-là, en englobant comme ça. Avec la touche majuscule, je vais aller chercher celle-là aussi, voilà. Et on va demander à Pathfinder réunion. Donc, fenêtre Pathfinder. L'option réunion. Et voilà. On a une forme. Ah tiens, il y a deux traits ici chez moi. Ah non, c'est bon. Ça va. Donc j'annule, je vais en arrière. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Vous avez la flèche blanche plus. Vos traits là noirs, ils sont verrouillés. Ils sont sur un calque verrouillé, on est d'accord. Hein, j'englobe les deux formes du dessus là. La forme en couleur, la forme que j'ai ajoutée qui n'a pas encore de couleur. Avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, j'englobe ici, j'ai ajouté l'autre forme que j'avais créée. Et je clique sur l'option ici, réunion. Et voilà. Tout s'est mis en blanc parce que les formes que tu as ajoutées, tu as oublié de les envoyer à l'arrière-plan, par objet disposition arrière-plan. Mais c'est pas grave, il suffit, pendant que cette forme-là est sélectionnée, elle est sélectionnée chez toi, avoir la case de premier plan. T'as pas oublié de verrouiller le calque des traits? Non, le calque des traits verrouillé. Ok. Voilà, alors pour l'autre patte là, il faudrait créer une forme au crayon par exemple. Si vous avez aussi comme moi la patte avant gauche de ce délicieux, comment est-ce qu'on dit, lapin, mais c'est quoi, c'est pas un gallinacé, c'est pas un ovin ni un bovin, comment est-ce qu'on appelle ça, gibier? Gibier, je sais pas. Ok, objet, disposition, arrière-plan, et voilà. Ok, je ne sais pas ce qui se passe ici, ce qu'il fallait que ce soit. On va voir. On ne va pas être perfectionniste ici. De toute façon, il va être en petit dans un motif, et s'il est un peu brinque-balance, ça lui donnera un côté sympa. Oui, on n'est pas nécessairement obligé, vous voyez, de faire du Pathfinder. C'est juste après, si on veut gérer la forme, ça peut être plus facile, mais voilà. Alors, vous enregistrez donc cette bestiole.